your feet. Miss the way you see me when you're sober. Wish you saw the middle where we meet. Et allô? Salut. Tu m'entends ou pas? C'est bon? Ouais, je t'entends, mais c'est bizarre, ta voix l'a changé par rapport à hier, t'es... Non, il y a pas de... C'est parce que attends, je vais couper le live, je pense, attends. Oui, peut-être que tu m'entends en double. Exactement, c'est ça. Bon. Bon, Sadi, ça va pas être simple, mais c'est une grosse compo qu'on a. Hein. Sadi, Feka, Upper, ça peut être solide. T'es terre ou feu cette fois-ci? Je suis terre, mais... Ouais, c'est bien ce que je pensais, vu que t'avais très peu d'initiative, je me suis dit que t'étais terre. Ce qui me fait peur, c'est que les invoques se fassent vite des pop, en fait, par le cra en face. Ouais. Mm. Bon, après, j'ai mis du retrait, moi. Pour justement essayer ouais, de faire... Je sais pas, il faut que tu contrôles deux persos à la fois, c'est là c'est win, je pense. Ouais. Du coup, on va faire ça... Est-ce qu'il y a un problème à te mettre en état pesanteur? Absolument pas, vas-y, tu peux. Tac, je maîtrise... Peut-être un sur la surpuis aussi, je sais pas, non ouais, mais après, je peux pas. Ah t'as, ouais, c'est 3 PO, pardon. Ouais, je peux pas. Ah, excuse-moi. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Je vais me mettre derrière le Sadi, je pense, et je vais lui faire pareil. Ok, let's go. Il faudrait qu'on se split aussi pour pas qu'il nous fasse un œil de taupe sur tous les trois. Oui, c'est vrai que ce serait... dommage. Ouais, je sais pas si c'est que ODT c'est l'œil de taupe, mais... Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, mais je sais pas si lui il sait, parce que moi je savais pas qu'on disait comme ça. Il le sait, il le sait. Ok, ok, ok. Je le connais ce Sadi aussi, parce que... T'as déjà joué avec lui du coup en... Non, mais je le rencontre souvent, c'est le genre de joueur que je rencontre assez souvent quand même. Ouais, bah après c'est normal, il y a les joueurs qui reviennent régulièrement. Ouais, surtout qu'il y en a pas non plus des masses et des masses qui collient, hein, au total, je pense. Ouais, ouais, clairement, clairement. Voilà, bon. Il y a une ligne de vue sur moi, mais bon, tu m'as rempart, ça va. Vu leur compo, ils ont tout intérêt à jouer à distance. Bah oui. Bah surtout avec les Lio, hein. Bah nous, on a tout intérêt à avancer. À avancer, pas, bah ouais. Hein. Pas braquer, en fait. Faut temporiser, ouais, c'est ça. S'il passait par ici, tu vois, genre... Toi tu peux TP là, tu peux y aller. Hein. Ouais moi aussi, hein, je peux. J'ai 7 PM au prochain tour. Donc ouais, il y a possibilité, il y a pas de souci. Niveau res, ils sont... Pff... Non, c'est pas ouf. C'est bah pas... 47% les cages. Terre... Ah oui, oui effectivement. Mais le Kra, pense... non, c'est très moyen. Le mieux, c'est que je supprime les Lio tout de suite. Hein, si je peux. Oui, 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 clairement. Et donc là, tu joues pas glyphe d'excursion. Tu vois, parce que là, tu m'aurais mis une glyphe, t'aurais TP, tu serais allé au cac des mecs, t'aurais fait un glyphe fulminant, je prenais le glyphe et je t'appelais. Oui, oui, mecs. Oui, effectivement. Ouais, ouais. Tu vois, c'est quand il n'y a pas de TP en face. Ouais, ouais, clairement, clairement, ouais, c'est très fort, il n'y a pas de soucis. Tu te demandes. Il va tréant, je suppose. Ouais. En théorie. Il peut infecter qu'une personne. Ah non, c'est bon. C'est bien ça. Ouais, 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 clairement. Tu sais que le tréant, il prend les caractéristiques du Sadi. Par rapport au retrait, c'est ça? Il a le retrait et la fuite du Sadi, ouais. D'accord, ok. La fuite, c'est pas mal. Ouais, la fuite, c'est bien. Le moins 3 qui fait mal sur le petit Kra. Moi, je pense qu'il faut que je TP, hein. Ou je... Non, je vais renfort. Renfort et commencer à avancer. Protéger un petit peu le Sadi encore. Je vais peut-être mettre aussi le gardien pour aller tacler les Lio. Ce serait pas mal qu'ils finissent ici, tu vois. Ouais, 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 clairement, clairement. Mais après, je suis pas certain de ce qu'il va faire. Il en fait un peu qu'à sa tête souvent. Le gardien, bah, c'est une IA un peu bon, débile. C'est pas la pire, hein. Franchement, il y a bien pire. Hein. Moi j'y vais, hein. On est d'accord? Ouais, je pense. Je vais retirer en plus des PA au Kra. Ouais, ok, ok. Ouais, je m'avance tranquillement, j'ai pas besoin de... Oui, de toute façon, je suis inatteignable pour les Lio quasiment là. Et puis s'il me ramène, bah, je suis avec vous, quoi, donc c'est cool. J'aura pas eu d'œil de taupe en plus donc. Ouais, bah écoute, je vais m'ataraxie. Et je vais juste. Tu veux pas, genre. Peut-être glyph, tu sais, qui retire des PA près du Kra juste pour l'empêcher d'avancer vers vous. Si tu veux, mais y a pas. J'aurais dû le mettre sur l'arbre du coup. Mais En soi, pas vraiment. Et le Sadi, il a pas besoin d'être proche des adversaires. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, il peut être à distance, ouais, carrément. Donc là, ça va aller juste les embêter, ils vont se gêner tout seuls. Ouais, ouais, carrément. Mais l'arbre, c'était juste pour éviter le sort d'entrée. Mais du coup, ça me donne une ligne de vue sur lui, ça c'est bien.
je vais. De toute façon, là, tu te boostes, tu charges tes états, là. C'est ça, mais je sais pas si j'ai intérêt à tuer le chaton. Je perds un peu de rox au prochain tour si je fais ça, quoi. Non, on s'en fout, je pense. Vu que si tu bases sur des one shot. Je bloque ce portail ou pas? Non, hein. Si. Bah non, y a pas. Non, y a pas d'intérêt. Y a pas lieu, hein. Non, okay. S'ils veulent me rusher, de toute façon, ils font une erreur, hein. Parce que derrière, je leur retire tellement de PA que ce sera la fin. Ok, je vais mettre un gardien, vulner les Lio pour booster le gardien. Voilà, ça commence. Et là, j'avance. Ok, il touche les 3, c'est cool. L'Elio est vulné, hein, donc ça veut dire que toi, si tu le tapes même de loin, tu vas lui mettre des baffes quand même, je pense. Ouais, après, j'ai la TP, je l'ai gardé exprès, justement. J'ai le T'as le renfort. Non, le renfort, sur... j'ai le renfort, oui, mais... Ah, sur le gardien, ça peut le faire, tu vas sur l'Elio. Mais il n'y a pas de PO sur ce mode, donc le renfort il est limité. T'as combien de PO? J'ai 2 de PO, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais si t'avances là, on est d'accord que non, j'ai 0 de PO. Voilà, c'est ah, t'as 0, mon pote, ok. Ouais. Bon, alors, c'est un mode qui est basé sur le corps à corps. C'est le meilleur mode hein, pour le retrait, mais c'est. Bah, voilà, je doute qu'un mode sans PO sur Feka soit le meilleur, franchement, je te le dis honnêtement. Ouais, mais c'est celui qui est joué dans les tournois. Ça, c'est un mode, un mode d'Office of Series. Mais du coup, simplement, ce que je voulais savoir, c'est que si là, maintenant, t'arrives à atteindre le corps à corps de l'Hélio, d'une quelconque façon, t'as pas le glyph de perception pour donner de la PO? Si, j'ai le glyph de perception aussi, bien sûr. Alors ça peut être sympa par exemple. Ouais, bien sûr. Et le glyph de perception, il faut que tu le mettes sur quelqu'un, hein, sur une entité. Ouais, donc si tu viens là, tu le mets sur la kawotte, ensuite tu renforces sur le gardien et tu PLS les lios. Et mais moi je tombe. Le glyph, il augmente la portée que dans la zone, hein, non? Est-ce que Sadi est pas en train de souffrir là? Il va rien se prendre en fait, il s'est pris le tour de l'Eka. Non, c'est bon, il a pris de l'héros en fait. Je peux le barricade s'il faut. Ouais, mais je sais pas, un EK, tu sais jamais si ça tape au corps à corps ou si ça tape de. Bah, de c'est que ça lui évite de. Ça lui fait claquer des PA quoi. Après, je peux aussi juste aller retirer du PA à l'Elio. Hein. Mais lui, un bastion en vrai, juste parce que. Un bastion juste... Bah, t'as 12 PA. Ouais, non, vas-y, c'est quoi? Va sur l'Elio, fais le tour que je t'avais conseillé là. Glyph de perception sur Kawot et ensuite tu renforts sur le. Tu viens ici et tu renforts. Je te garantis, ça marche. Hein. Ah, mais. Ah oui, tu peux le faire directement alors. Ok, bah c'est nickel, c'est encore plus puissant. Vas-y, glyph fulminant. Ah, avant le. Pourquoi ouais, dommage, pas pourquoi fulminant? Ouais, non, vas-y, full retrait. Ouais, ok. Vas-y, oh, vas-y, gravito, moi. Oh, si tu veux, je le fulminant. Bah, c'est pour qu'il soit taclé. Il peut plus bouger. C'est pour que tu l'arraches directement. Ah, il peut même pas faire, ouais, effectivement. Il peut même pas. Je pensais qu'il pouvait détacler de 1, tu vois, non, seulement. Non, et passer c'est... il est taclé. Ah, mais t'as combien de tacs? T'as 126, ok. Bon, bah là, il est mort. Hein. S'il met pas une entité devant lui. Et puis de toute façon il y a le fulminant mec, mais bah c'est tu vois c'est exactement comme ça que je joue la compo quand je joue avec mon Feka et tout ça. Ah, avec le fulminant ouais. Ouais là tu vois c'est il peut avoir tu vas voir les dégâts il y en aura trop par rapport à ses points de vie. 4000 points de vie. Ah non, il a interruption de toute façon. Non ça va. Donc là on le vulnait. On emprunte pour choper deux runes derrière. Et on fait le petit combo des familles. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de runes, mais il y a mon gardien qui tape encore, ouais. Là, il tuera pas, je pense. Oh putain, je pensais que ça taperait plus, mais en fait, non, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de runes qui étaient posées, ouais. Non. Bon, désolé, encore un faux espoir, putain, ça m'arrête pas. C'est pas grave, tranquille, il est mort de toute façon. Bon, en soi, il est en état infecté. Ah mais c'est vrai que j'ai pas mis mon familier j'ai mis mon familier résistant. Ça dit meurt hein. Oh. Ouais, ça dit meurt par le cra. Ouais c'est pas fini. T'as fait mal les cas hein. Fait vraiment mal. Est-ce qu'il tombe? Est-ce qu'il tombe l'Elio là? Je crois pas. Avec une larme non? Est-ce qu'il est infecté aussi ou pas? Bah c'est ce que je me demandais. Ouf. Il reste 101 points de vie quoi le pauvre Sadi. Aïe. Bah le kral tue quoi, si je kill je meurs. Non, kill pas. Alors safe, ouais alors, safe. Sauve-toi. Ah non, kill pas. Ouais il va peut-être se mettre, c'est le truc qui fractionne les dégâts. Déjà il va se soigner un petit peu. Et il va fractionner les dégâts je pense. Et là il est tranquille ensuite. Fractionner le dégât dans toutes les invos c'est ça non? Ouais il n'y en a que 3 et il n'y a pas la bloqueuse donc c'est vrai que c'est... Même ça je suis pas sûr que ça suffise. Ah non il... Oula, mais il meurt quand même. Ça dépend du retrait de la folle.
Bah ouais, il meurt. Elle a même pas, elle a même pas retiré de PA au crâne. Oui, oui, justement. Ah, elle est allée sur l'Elio. Elle sur a même pas essayé. Le totem, oh, c'est ça. Et ton glyphe d'aveuglement, là, il va servir à fond, je crois. Non? Est-ce qu'il est obligé de rentrer dedans pour taper ça? Non, il peut... Ah ouais, carrément, carrément. Donc là, le glyphe d'aveu, il va être rentable. Quoi? Bah, il peut pas, mais il peut pas faire ouais. Le move. Ouais. Bah là, tu finis... Bah, on est bien, en vrai. Hein. Tu peux me remettre un glyphe fulminant au cac du cra et comme ça, je l'enchaîne juste après. Moi, j'aurais bien aimé aller sauver le Sadi, hein. Bah ouais, mais si pareil... Ouais, mais tu veux le sauver comment? Bah, y comment aller, avec une TP... Et tu veux mettre du retrait sur le... Ok, vas-y. Mais alors, tue quand même l'Hélio, hein. Sinon, il joue. Hein. Oui, oui, non, mais oui, c'était prévu de tuer l'Hélio. Je vais vérifier que je le tue. Bon, normalement, je devrais le tuer. T'as trêve, hein. Non, tu l'as pas. J'ai pas trêve. Bon, bah, on tape alors, dans ce cas-là. On tue le crâne. Moi, je te... Très sincèrement, après... Ouais, vas-y. Le Sadi, tu sais, je l'apprécie beaucoup, mais on a gagné si on fait ça, hein. Parce que là, du coup, on se... Ah ouais, par contre... Je suis obligé, je détacle pas. C'était soit ah, là, oui, soit je me mettais pas. Hein. D'accord, bah, c'est pas grave. On va se donner des PM du coup. Tu peux te donner avec une contrib un ouais, PM ouais. La question que je me pose c'est... Est-ce que je le fais sinon tu recules de 3, traverser et t'y es. Genre tu sais oui. si tu passes par là, traverser... Non mais je vais faire plus. Écoute, je vais pas me prendre la tête, je vais faire juste comme ça. Okay. Ça va déjà taper assez fort je pense. Bon le Sadi meurt dans tous les cas mais bon on sera tous les deux contre un Eka. Ça devrait aller. Bah oui. Bon le gardien tape pas malheureusement. Ah bon? Mais bon, le. Non, parce que bah, on est devant en fait. Il veut pas il nous. Il est obligé de. Il pouvait pas taper sur le côté? Il pas... Ah, il tape qu'en ligne, ouais. Ah, il tape qu'en ligne, ok, ça je savais pas. Okay, okay. Mais sincèrement, je pense que ça ne change rien au combat parce que. Non, ça changera au combat. Là, il. Le Sadi va mourir, oui, ça c'est sûr. Ah, il se régène de ouf. Mais le Kra, il a pas ses flèches, du coup, il va. Non, il finit. Mm-hmm. Ouais. C'est certain. Ouais. Bon, c'est vrai que c'était un call un peu particulier que je t'ai demandé là de venir sur l'Hélio, mais c'était vraiment parce que je pensais qu'il allait tomber plus tout de suite en fait. Et là, ça aurait été vraiment bien. Yes! Bon, soit. Alors. Bon, surtout que j'ai le retour de rempart. Faut quand même faire attention à l'écart, mais on est deux contre lui. Tranquille. Non, ça va le faire, ça. Avec ton retrait, y a pas trop de problèmes, je pense. Tac. Je te laisse finir, je vais. Oui, je peux. Je vais aller embêter les cas flip. C'est plus rentable tout de suite d'y aller. Ouais. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux bien me faire? Les cas tapent fort hein, quand même. Oui, clairement. Avec ses raids, c'est pas mal. Je vais mettre un petit bouclier. Je vais demander au Sadi combien il a de pourcentaire. Je suis en T5 là, c'est ça? Ah bah oui. Tu top fort, c'est ça? Bah, en fait, c'est étonnant que je sois en tour 5. Tu peux pas tuer le Kra là? Si, je le tue okay, dans tous les cas. Bon, ça va. Ah. T'es sûr que tu tues? Ah, oui, bien sûr que je tue. Mais c'est ça l'intérêt aussi, c'est que tu fais vraiment du multifocus avec ce... Ouais, non mais j'étais pas sûr que tu le tues en fait, c'est pour ça. Oui, c'est vrai qu'avec l'ivoire c'était un petit voilà, peu... c'est ça. Un peu limite, je t'avoue, mais j'ai regardé Cerez et en tournée but ouais, quand même... Ouais, tu disais c'est bon. Bah, c'est parce que j'ai fait le drain avant, tu vois, c'est... Si j'avais fait le drain après, je pense que ça passait pas. Après par une if, tu vois. En tout cas, ton Feka, il est vraiment strong, hein. Putain, et je pense que si on avait joué avec ton Feka hier... C'est pour ça que je t'ai dit que ce mode, il est vraiment puissant. Oui, non, mais après, admets que peut-être que tu peux juste faire une micro-concession. Oui, bien sûr. Pour avoir. Après, je pense pas que 6 de PO sur un. Feka, oui, ça manque de PO. Mais genre, peut-être juste simplement 2 ou 3, tu vois. Bien sûr, un pilot, un truc comme ça, ouais, ça peut le faire. Ça. En plus, la puissance, ça peut être utile. Hein. Moi, oui. Je joue mon. C'est Feka full terre, hein. Il est full terre là. A few moments later. Bon, et bien, c'est gagné! Et nous sommes Crystal 4, yes, putain. On avance. Aïe. Ça fait plaisir, franchement. En gros, si on joue en une après-midi, on peut passer une division à chaque fois. Hein. Quasiment. Hein. Ça fait plaisir, hein, franchement. C'est beau. Et on avance, on est bientôt diamant. Hein.